Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlons du triangle dramatique dans le couple et dans les relations en général. Alors, on l'appelle aussi le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent. Et moi, je l'appelle aussi le triangle infernal. Donc, on vous dira pourquoi. Infernal triangle. Donc, on va se baser aujourd'hui sur des petites images qui vont passer à l'écran. Et on va commenter ces images. Et puis, on répondra juste après à des questions qui reviennent souvent, mais sous l'angle de vue de l'analyse du triangle, justement. Hein? Oui. Tu veux dire quelque chose à ce non, sujet non, pour l'instant? On voulait parler de ça parce qu'en fait, on s'est aperçu que beaucoup de couples, beaucoup de gens qu'on connaît ou qu'on a pu observer, effectivement, sont souvent dans ce triangle. Donc voilà, on trouvait que c'était intéressant de donner notre avis sur le sujet. Oui, en effet, c'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est parce qu'on nous demande souvent des conseils de par le fait que nous avons écrit ce livre, hein, « Réintégrer sa flamme jumelle ». Donc des conseils pour les couples FJ, mais des conseils pour les couples en général, hein, ou les relations parents-enfants. Donc, en général, les problèmes découlent de ce triangle. Donc, on va commencer par le définir. Oui, ça serait bien. Voilà, donc, je vais vous montrer le triangle de Karpman. Donc, comme beaucoup le savent, hein, le problème dans le relationnel, c'est que on est souvent sur un des angles du triangle et jamais au centre. Donc, pour résumer, on se situe par crainte, hein, en fait, crainte d'être qui nous sommes réellement. On se situe malheureusement soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du sauveur, ou pire encore, dans le rôle du persécuteur. Bien que, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on se situe dans l'un de ces rôles, on n'en est pas forcément conscient. Donc, d'où la difficulté pour s'en extraire. C'est le plus difficile, je crois, que c'est de prendre conscience qu'on est dans ce triangle-là, quoi, malheureusement inconsciemment. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit... un conseil sur la façon de le voir, hein, si vous êtes décalé ou pas, c'est tout simple. Si vous sentez que vous ressentez des malaises ou un mal-être, c'est que vous l'êtes, vous êtes décalé, vous êtes dans l'un des trois rôles. Et si vous n'arrivez pas à en sortir, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est que vous passez d'un rôle à l'autre. Lorsqu'on passe d'un rôle à l'autre, on n'arrive plus à identifier pourquoi on se sent mal. Parce que, justement, on passe par toutes les couleurs. Quoi. Un coup, on fait la victime, un coup, on fait le sauveur, un coup, on fait le persécuteur. Donc, on va les définir, hein, par des exemples concrets, en fait, les trois rôles. On va donner des exemples. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on parle de ça? Oui, disons que ce qu'on a pu définir sur ce triangle-là, c'est que souvent, si on est dans un de ces rôles-là, ou des fois les deux ou trois... C'est souvent lié aussi à notre parcours d'enfant, quoi. Donc des fois, pour savoir pourquoi on est dans le côté victime ou sauveur ou persécuteur, souvent il suffit de replonger un petit peu dans ce qu'on a vécu et regarder les exemples qu'on a eus devant nous et souvent ça peut donner la solution à ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que sans le savoir et en croyant bien faire, on a pris depuis tout petit l'exemple du père ou de la mère qui faisait soit le sauveur, soit la victime, soit le persécuteur. Et on copie le parent, on reproduit, voilà, sans s'apercevoir que c'était un comportement déviant. Tu veux dire autre chose sur le sujet? Non, là, c'est ce que je voulais dire à peu près là-dessus. Donc, on va définir en fait ce triangle en donnant des exemples.
Par exemple, si donc ce triangle dramatique, en fait, hein, c'est la définition que vous trouvez n'importe où et notamment sur Wikipédia. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. Donc, comme je vous le disais, le problème, c'est souvent ça, c'est qu'on se dit, mais je travaille sur moi et je me sens toujours mal. Pourquoi ? Bah parce que vous avez peut-être commencé à travailler sur vous, par exemple, si vous étiez plutôt en mode victime, vous vous positionnez, vous sortez de votre zone de confort, vous ne voulez plus être une victime. Donc vous avez changé quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, mais néanmoins, vous n'êtes toujours, peut-être toujours pas aligné, vous avez peut-être tendance à faire le sauveur ou à imposer votre vision aux autres, donc à devenir une sorte de persécuteur. Qui, on va le voir, n'est pas forcément quelqu'un de violent. Hein. Le persécuteur, ça peut être quelqu'un qui persécute en imposant sa vision, mais sans le savoir. Donc, qui se donne bonne conscience en donnant des conseils, mais sans le savoir, il persécute, quoi. Et ça peut être très subtil, oui, tout à fait. Le problème, c'est que quand on est dans l'un de ces rôles, on le fait pas consciemment parce que, comme dit Pascal, c'est très subtil. Et puis, on se fait croire qu'on fait le sauveur alors qu'on est en train de faire la victime, ou qu'on fait le sauveur alors qu'on finalement on persécute autrui en lui imposant quelque chose qu'on a défini comme une aide, quoi. Ben, souvent, en fait, on va se persuader qu'on fait du bien. Hein. En général, en faisant l'un des trois, on va se persuader que si je le pousse, et que c'est pour son bien. Si j'accepte qu'il me donne des conseils, c'est pour mon bien, et ainsi de suite, quoi. Pour mon bien. Donc et pour ah son oui, bien. D'accord, pardon. Voilà, pour mon bien, pour son bien. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour ça que c'est difficile, en fait, de se voir dans ce triangle-là, puisqu'en fait, notre ego a toujours tendance à se faire croire que c'est pour son bien à lui qu'on joue ce rôle-là, quoi. Oui, et par exemple, il n'est pas forcément bon de sauver autrui contre son gré. Mmh. Même s'il est d'accord, posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la victime, il ou elle, hein. Et pourquoi vous voulez sauver telle personne ou l'aider ? Est-ce que c'est pour vous donner bonne conscience ? Est-ce que c'est parce que sa souffrance vous insupporte et fait rejaillir la vôtre ? Dans tous les cas, que ce soit pour le sauveur, la victime ou le persécuteur, les trois rôles, en fait, dénotent le même problème sous-jacent qui est les trois, en fait, se positionnent en victime de la vie elle-même, finalement. Parce que j'ai un exemple d'un persécuteur, hein, quelqu'un qui ne veut pas du tout montrer sa fragilité parce qu'il ou elle a vécu très mal son enfance en tant que enfant, comment dire, non adapté à la société. Hein. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais il y a des personnes qui, étant petits, ont eu beaucoup de difficultés de par leur handicap. Ces personnes peuvent devenir des persécuteurs parce qu'elles peuvent dire bah, plus jamais ça, quoi. On me fera plus jamais subir de moqueries, plus jamais on me prendra pour un con, plus jamais on me prendra pour un nul, plus jamais. Et donc cette personne peut basculer dans le rôle du persécuteur, c'est-à-dire qu'elle devient très contrôlante et elle impose ses idées, son point de vue aux autres par la force. Mais c'est surtout pour cacher une grosse faiblesse, quoi. Une peur d'être critiquée ou rejetée ou voilà. De même que le sauveur, lui, il n'a pas forcément envie, il n'a pas non plus autant de colère que le persécuteur. Donc, il veut juste aider autrui, mais quelque part, n'est-ce pas pour se cacher à lui-même sa détresse ? Puisque quand on se positionne dans le rôle de sauveur, c'est aussi parce qu'on détermine la vie comme étant menaçante et qu'on se dit, si quelqu'un ne nous sauve pas ou ne sauve pas autrui, qui le fera ? Donc on se pose en victime par rapport à la vie, par rapport à la vie, les lois de l'univers, tout ça. On n'est pas aligné, on n'est pas dans le moment présent et on ne se dit pas que tout est juste quand on fait le sauveur. On se dit, si j'étais pas là, ça irait très mal. Donc on se décale. Ouais, et la victime, peut-être, ou le sauveur, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, enfin, on peut très bien s'être... inconsciemment s'être réfugié derrière une grosse colère, mais qui est inavouée. Et cette colère-là, elle va mener notre vie et nous faire rentrer dans ce triangle-là, infernal, et jusqu'au jour où cette colère-là va nous faire jouer tous les rôles qu'on a pu même détester,
Et malheureusement, elle va nous jouer des tours, quoi. Par exemple, un sauveur qui deviendrait un persécuteur, pour quelle raison? Tu avais un bon exemple de ça récemment. Un sauveur qui peut devenir un persécuteur, en fait. Oui, ben oui, voilà, tout. Dans quelles circonstances, quoi? Toi, tu l'as exprimé, avoir remarqué ça dans le fonctionnement de certaines personnes. Oui, alors enfin, là, j'ai pas quelque chose de très concret qui me vient. Alors, c'est Pascal qui me faisait remarquer que quand le sauveur ne peut pas sauver une victime qui se referme, qui se replie, par exemple dans un couple, on va dire si le runner se replie sur lui-même et que le chaser ne peut rien y faire et du coup il se sent abandonné, le chaser il va faire vraiment le sauveur et plus il va le faire, plus il va persécuter finalement son runner et le runner va le fuir. Du coup. Oui, tout à fait. C'est un des schémas qui peut se créer quand on refuse de se voir dans tel ou tel schéma, quoi. Et une victime peut demander de l'aide, parce qu'elle se sent mal, en fait, elle sent mal dans sa vie, et du coup appeler à elle des persécuteurs ou des sauveurs, et rester dans ce cercle vicieux éternellement, puisqu'en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle prend de l'énergie à ceux qui font les sauveurs. Et le sauveur aussi n'évolue pas, quoi. Il reste dans ce rôle plutôt que de voir que la victime qu'il a tirée à lui a peut-être les mêmes blessures. C'est juste qu'elle a une autre façon de les exprimer. Donc finalement, les deux s'accommodent en jouant des rôles complémentaires, enfin des rôles qui arrangent l'autre, mais qui finalement ne débouchent sur rien de lumineux, quoi. Ben, au final, il faut comprendre que de toute façon, quand on reste dans ce schéma, dans ce triangle, de toute façon, on ne peut pas faire évoluer notre âme, quoi. Donc je pense que c'est déjà, faut déjà prendre conscience de ça et pour pouvoir commencer à vouloir en sortir. Oui, comme tu disais, de toute façon, dès qu'on est dans l'une des configurations, on est dans l'ego. Oui, tout à fait. Et notre ego, lui, c'est pas qu'il est mauvais en soi, mais il nous a aidé à construire quelque chose qui fait que on va affronter la vie et les événements, des événements qui nous font peur, on va les affronter en se protégeant, quoi. Et donc il y a tout ce travail de conscience, de prise de conscience pour pouvoir mettre cet ego de là de côté et enfin voir comment, dans quoi on est, quoi, dans quelle attitude on est. Alors la question qui peut venir suite à cela, c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on fuit en fait quand on joue ces rôles-là? Ouais. Et j'ai trouvé une petite illustration. En réalité. La communication est perturbée donc lorsque les protagonistes adoptent ces rôles plutôt que d'exprimer leurs émotions et leurs idées. Voilà, en fait, et vice-versa, on rentre dans ces rôles pour ne pas exprimer nos émotions. Donc, en fait, vous avez la réponse, quoi. Finalement, notre ego, pour nous protéger d'une souffrance quelconque, va nous dire « protège tes émotions ». Ne montre pas tes émotions, ne dis pas tes idées parce qu'on va se faire lyncher ou on va se faire rejeter ou on va se faire juger, peu importe, ou humilier ou abandonner. Et du coup, l'enfant intérieur, il dit « bon, bah, moi, je ne veux pas subir tout ça, donc j'arrête d'exprimer mes idées et mes émotions. Je rentre dans une zone plus ou moins confortable où on ne va pas m'embêter. » Je vais me plaindre ou faire le sauveur ou persécuter tout le monde comme ça. Ce sera moi qui contrôlera tout, quoi. Oui, voilà. On peut rentrer aussi dans le persécuteur et dire bon, moi j'impose mes idées parce que j'ai pas envie qu'on m'impose que les autres me les imposent. Donc on rentre dans le persécuteur, mais en pensant que c'est très bien comme ça, quoi. Et alors que si nos idées sont bonnes, on n'a pas besoin de les imposer. On les exprime en prenant le risque. De qu'elle soit rejetée ou mal comprise, mais dans tous les cas, il faut prendre le risque qu'il y ait un débat et que le débat ne tourne pas en notre faveur. Oui, comme l'image qu'on voit à l'écran, effectivement, ce sont deux personnes qui ont décidé en fait d'exprimer leurs ressentis, leurs émotions,
Et c'est ça qui va désactiver un petit peu les conflits. Donc à partir de là, on va commencer à rentrer un petit peu au centre du triangle, et c'est là qu'on va commencer à avoir une conscience de ce qui se passe un petit peu plus élevée, quoi. C'est-à-dire qu'on va sortir un petit peu du schéma et un petit peu prendre de la hauteur sur tout ça, quoi. Et quand vous faites ça, en fait, hein, quand vous êtes dans un groupe et que vous êtes au centre du triangle, en général, les gens sont un peu surpris parce qu'ils n'ont pas de, s'ils restent dans les trois rôles, ils n'ont pas d'accroche avec vous. En fait, vous êtes au-dessus, un peu comme le sphinx dans la carte, dans l'arcane du tarot, la roue de fortune. On voit la roue qui tourne, les petits diables qui montent, les petits anges qui descendent. Donc on est soit dans le bien, soit dans le mal, c'est la dualité du plan terrestre. Et au-dessus, il y a le sphinx qui est neutre. Donc en fait, quand on n'est pas dans l'un des trois rôles, on est neutre. Oui, la roue tourne de bas en haut, de haut en bas, de haut en bas, pardon. Et le petit sphinx, lui, en haut, il observe ça, quoi. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais exprimer là tout de suite. Voilà, et si vous avez du mal à rester au centre, bah, au départ, vous allez vous heurter peut-être à des gens qui vont faire la victime, qui vont se plaindre, ou des gens qui vont essayer de vous sauver ou vous persécuter. Mais il faudra insister pour garder cette vision plus haute, cette vision plus consciente de la situation et pouvoir partager des idées plus lumineuses et donner des conseils plus justes, quoi. Oui, bah si on veut sortir un petit peu notre couple ou votre couple d'un schéma comme ça qui de toute façon tournera en rond ou en triangle, il va falloir essayer d'aller de plus en plus dans le centre, prendre conscience de ce triangle infernal et essayer de prendre de la hauteur, quoi. Et pourquoi on dit triangle infernal? Parce que bien évidemment, lorsqu'on est sauveur, victime ou persécuteur, on peut dire qu'on vit dans une fréquence infernale, quoi. On n'est pas du tout au paradis, hein. Personne n'est dans une zone de confort dans l'un des trois rôles. Même celui qui fera le sauveur et qui est dans une position un petit peu plus enviable du point de vue narcissique, parce que bon, bah, souvent le sauveur est quand même bien vu des autres, celui-ci risque d'être très fatigué ou très insatisfait de sa vie, au bout du compte, parce que toutes ses relations seront basés sur ce mode-là, quoi. Sauveur, donc vous rencontrez surtout des victimes ou d'autres sauveurs, mais il n'y a plus d'énergie à échanger. On n'est plus dans l'échange énergétique qui augmente la fréquence de manière exponentielle. On est juste dans dans un cercle vicieux, en fait, hein, qui fait perdre de l'énergie, quoi. Qui Voilà. fait qui limite la conscience et qui fait perdre de l'énergie à chacun des participants, et dans le couple particulièrement. Oui, ben là, oui, pour vraiment arrêter d'avoir des conflits en permanence, c'est vrai qu'il faut amener l'autre, déjà prendre conscience de soi, sur soi, qu'on est dans ces trois caractéristiques. Et amener l'autre à se voir également dans ses caractéristiques. À partir de là, s'il y a cette prise de conscience-là, je pense qu'après, petit à petit, en fait, on peut commencer à avoir un dialogue comme ces deux personnes qui vont vraiment exprimer, bah, moi j'ai envie de ceci, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, exprimer vraiment ce qu'on est et sans se réfugier dans une de ces trois caractéristiques. Et c'est d'autant plus difficile dans les couples flammes jumelles, dans le parcours flammes jumelles, parce que certains remarqueront qu'ils avaient peut-être réussi à le faire dans un couple, dans leur vie de couple précédente. Et puis ils rencontrent donc ce qu'on appelle une âme jumelle, hein, quelqu'un qui est l'exact reflet de ce qu'on est à l'intérieur et de nos blessures, du coup, par là même. Et là, c'est beaucoup plus difficile de rester centré et de ne pas tomber dans ces jeux de rôle décrits par le triangle, parce que toutes les blessures remontent, hein, tout le karma remonte, toutes les blessures d'enfance remontent. Et là, quand on est dans les peurs, parce que quand ces blessures remontent, bien évidemment, on est dans les peurs, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans le déni ou l'acceptation, on est dans les peurs, quand elles remontent, on fait tout pour éviter de les voir. Donc, vous pourrez travailler le triangle de Karpman pendant des années. Demain, si vous rencontrez votre âme jumelle,
tout ce que vous aurez cru savoir va s'écrouler. Parce que vous ne tiendrez pas 5 minutes face à l'autre si vous bloquez vos peurs. Donc, il faut le retravailler, en fait, quand on est dans un parcours flamme jumelle. Parce que c'est les peurs profondes qui remontent. Et là, on n'est plus du tout dans le même paradigme, en fait. Oui, et puis là, pour en arriver à ça, il faut vraiment commencer par voir... déjà, la plus grosse clé, c'est d'avoir de l'humilité sur le fait qu'on est, on est ce qu'on est et qu'il faut accepter qu'on puisse être un bourreau, une victime. On se positionne dans ces trois catégories-là, quoi. Et ça, il faut avoir, dire bon, bah, je suis peut-être pas forcément la personne que je voudrais être. Donc, j'accepte de voir mes blessures, mes peurs. Et à partir de là, bah, tout va s'enclencher, quoi. Et on va arriver à désamorcer un petit peu ces trois caractéristiques. Je voulais justement développer sur le persécuteur. Pour qu'il ait l'humilité de se voir, le persécuteur, il faut comprendre qu'on n'est pas un persécuteur seulement quand on frappe quelqu'un. Hein, ce n'est pas le gros mastodonte qui frappe les femmes, hein, le persécuteur. Bien sûr que si on est cela, on frappe, on est un persécuteur. Mais ce n'est pas si simple que ça. On peut être un persécuteur en étant juste une personne très érudite, par exemple, et qui va moraliser l'autre ou lui sortir toute son érudition à chaque fois qu'il sera en détresse parce qu'il pense l'aider. Oui, c'est ça. Et en fait, il ne fait que la rabaisser, la personne en face, en sortant sa science, et en plus une science qui n'est pas forcément l'aide adéquate, quoi. Oui, c'est pour ça que, en fait, on n'est pas condamnable, puisque souvent on est inconscient de ce qu'on fait. Enfin, la plupart du temps, on est inconscient. Il y en a qui sont conscients, mais la plupart du temps, les gens sont inconscients de quel rôle ils jouent. Ils pensent même que c'est bien pour l'autre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer ce triangle-là, quoi. Et il y a une force énorme dans les êtres humains qui est toute simple, c'est les émotions. Exprimer les émotions et les ressentir les émotions d'autrui, dans un couple, c'est primordial. Parce qu'on ne peut pas toujours se comprendre par la parole. On est tous différents par rapport aux événements de la vie. Par exemple, quelqu'un qui est fatigué va vouloir s'isoler et que personne le dérange, et il va apprécier que quelqu'un comprenne ça sans qu'il ait à le dire. Mais quelqu'un qui est plutôt quelqu'un d'autre va dire: moi, quand je suis fatigué, j'ai besoin qu'on vienne me soutenir. Mais il va l'exprimer, l'autre va pas forcément le comprendre s'il a pas le même fonctionnement. Alors en parlant sans émotionnel, on ne se fait pas comprendre. Par contre, en exprimant avec les idées, les émotions qu'il y a derrière, c'est-à-dire je ressens que, quand, voilà, je me sens comme ça et j'aimerais que... Voilà, en exprimant avec humilité ce qu'on vit et ce qu'on aimerait, on laisse le choix à l'autre d'y répondre ou pas. Mmh. Et on prend le risque d'être rejeté ou jugé, mais au moins on s'exprime. Donc on a la conscience tranquille. Et ça, c'est quelque chose que dans nos sociétés occidentales, on ne fait plus. On ne fait pas, on a peur de s'exprimer et d'être jugé. Donc il y a un gros problème au niveau de la communication, de par le fait que les émotions sont en fait jugées être des faiblesses. Et à partir de là, on fait tout pour ne pas en montrer. Ou quand on les sort, c'est dans la colère et c'est déjà trop tard. Donc il faut vraiment réapprendre, avec humilité, comme tu dis, à exprimer ses idées, ses émotions. Et sans attente de résultats qui comptent, juste pour être soi dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Sans attente et sans... il ne faut pas attendre, mais il faut aussi savoir demander. Il faut être dans le juste équilibre des deux. Oui, tout à fait. Non, mais là, j'ai pas, on pourra en dire plus, bien plus que cela sur chaque cas. Mais ça résume bien, effectivement, l'une des situations. Alors, je vous ai préparé une petite image qui représente ce symbole du triangle, mais là, plus du tout pour parler du triangle de Karpman, mais pour parler de ce qui pourrait se passer. Alors, je vais couper la vidéo pour que vous voyez l'image en entier. Voilà. Donc,
Voilà ce qui peut se passer. Vous voyez, il y a l'ange sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pointe un triangle lumineux avec l'œil dedans, l'œil omniscient, l'œil de la providence. Donc pour les croyants, l'œil de Dieu. Pourquoi l'ange sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pointe cela ? Parce qu'en fait, si vous voulez vous libérer réellement, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de vous libérer totalement de vos chaînes. Et on le voit, la personne en face de l'ange tient des chaînes cassées. Donc elle s'est libérée de ses chaînes. Pour se libérer de ses chaînes, il faut être au centre du triangle, là où l'œil omniscient voit tout. Et en fait, on remarque que ce symbole est toujours un triangle et que l'œil qui voit tout est au centre, hein, il n'est pas sur les angles. Oui, alors effectivement, là, on peut voir cette femme qui se libère. Donc, elle se libère pour prendre le chemin un petit peu plus éclairé, donc de l'ange, qui lui vous pointe, si vous libérez de tout ça, vous pouvez aller dans le centre du triangle. Donc bien sûr, il faut oublier le triangle, la symbolique du triangle franc-maçon ou autre, qu'on a pu voir. Là, c'est plutôt un triangle divin. Donc, mais c'est dans cette image-là, c'est très très simple finalement, on voit la libération. Et pour être plus lumineux, il faut s'alléger avec et être plus léger, là comme là, avec l'ange qui a des ailes, et aller dans on peut aller après dans le centre du triangle. Voilà, donc c'était pour faire le lien entre le triangle et le but ultime, c'est que ne pas être dans les extrêmes, c'est être au centre, et être au centre, c'est être dans l'œil de Dieu. Et être dans l'œil de Dieu, c'est être aligné à la source. Aligné à la source, c'est-à-dire plein, donc non vide, parce qu'en général, on est dans les extrêmes lorsqu'on se sent vide, et vide de connexion divine, vide de notre vie est vide de sens. On a besoin d'énergie, on va la chercher chez les autres. Donc on rentre dans des jeux de pouvoir en faisant la victime, le sauveur et le bourreau. Mais lorsqu'on est au centre, on est dans une relation avec l'univers, en fait, avec l'énergie de vie, ou avec Dieu, si vous préférez l'appeler comme ça. Et là, dans ce cas, on est plein et on est omniscient, c'est-à-dire qu'on ressent aussi ce que les autres peuvent ressentir, et on agit selon les règles de l'univers, c'est-à-dire selon les lois de la vie. On est toujours juste, mais juste dans le sens justice divine, hein, pas justice des hommes. Voilà, donc ce serait pour imager le bout du chemin, si vous arrivez à vous libérer des jeux de pouvoir que le triangle de Cartman représente. Et je fais un petit zoom sur le symbole qu'on retrouve aussi dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, et on le retrouve aussi dans beaucoup de cathédrales et d'églises. Vous voyez ce triangle duquel jaillit de la lumière avec l'œil au centre, représente bien ce que devient la condition humaine lorsque l'humain est centré et non soumis au jeu de l'ego, quoi. Oui, là on brille plus, on éclaire. Donc c'est le but du jeu, en fait, hein, c'est de vraiment éclairer, de devenir quelqu'un qui éclaire plutôt que de briller dans la société. Là, il éclaire. Et j'ai envie de dire, là, ça montre aussi que quand on a réussi à se délivrer de ces chaînes, on redevient en fait créateur, et vraiment on retrouve le feu sacré. C'est ça qui nous fait réaliser notre vie et nos objectifs. C'est de retrouver le feu sacré, c'est-à-dire se libérer de nos colères, de nos peurs, pour pouvoir retrouver ce feu qui va être créateur. J'aurais pas pu mieux le dire. Voilà, donc on voulait vous faire un petit topo sur le triangle et ses effets pervers, et puis aussi sur la sagesse qui en ressort, hein, en fait, de ce symbole, qui finalement est un chemin vers notre divinité intérieure, si on le comprend. Et voilà, donc moi j'ai terminé pour cette capsule. Ouais. Oui, moi aussi, hein, je pense que c'est ça. Je souhaite à tout le monde de retrouver son feu sacré. Alors, on a juste oublié une chose avant de finir, c'est les trois questions qui reviennent tout le temps, de les traiter sous l'angle du triangle. Ah oui. Vite fait, est-ce qu'on le fait avant de finir?
Alors, en fait, une question c'est qui revient souvent, c'est pourquoi il ou elle me fuit. Oui, alors dans une relation de couple, que ce soit FJ ou pas, effectivement, quand ça ne marche pas, il y en a un qui fuit en général. C'est moi qui réponds. D'accord. Je pose des questions. Eh bien, alors je vais remettre mon petit triangle de Karpman à l'écran. Pourquoi il ou elle me fuit ? Ben, maintenant, vous connaissez la réponse. Posez-vous la question. Si l'autre vous a fui, alors soit il n'est pas amoureux, bien sûr, hein, ça peut être la raison principale. Mais bon, s'il est amoureux, imaginez que vous ressentez le lien très fortement, vous savez qu'il n'a pas fui pour de mauvaises raisons, enfin, qu'il a fui pour de mauvaises raisons, justement, il y a de l'amour entre vous encore, mais ça s'est mal passé. Eh bien, regardez le triangle et vous trouverez facilement, ou pas facilement, mais vous devez vous trouver sur un des angles. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un fuit, c'est que l'autre fait vraiment le sauveur ou le persécuteur. Ou la victime, oui. Ou la victime, oui, c'est vrai, ouais. Tu as raison. Quelqu'un qui se plaint trop souvent ou qui n'arrive pas à porter sa croix lui-même, en fait... Fait fuir l'autre. Ouais, dans ce cas-là, fait fuir l'autre. C'est pour ça qu'on peut... c'est difficile de se définir vraiment dans un des trois, parce qu'en fait, on peut faire les trois. Même si on ne veut pas toujours se l'avouer, mais on peut faire les trois. Donc c'est pour ça que si l'autre fuit, il faut vraiment accepter de se dire « bon, ben, j'ai peut-être un peu bousculé » ou « j'ai peut-être fait trop le sauveur » ou peut-être aussi « j'ai trop fait la victime » et c'est trop lourd à porter pour lui. Quoi. Ouais. Voilà, donc dans une relation de couple, pour trouver l'unité, finalement, il faut que chacun des deux, amants travaille sur son équilibre intérieur, quoi. Bah, du coup, on a répondu tous les deux. On passe à la deuxième question. Ouais, alors, donc, il y a une autre question qui dit, qui demande pourquoi ça fait si mal. Eh ben, je réponds donc en premier. Pour moi, si ça fait mal... Une relation de flamme jumelle, j'imagine. Une relation de flamme jumelle, j'imagine. Oui, ou une relation de couple voilà, intense ou même de flamme jumelle. En général, ça fait mal quand l'autre a refusé de rentrer dans votre jeu et du coup, vous êtes obligé de le voir, quoi. La vie vous pousse à voir que vous étiez décalé. Donc, ça peut faire mal quand l'autre s'est détourné de vous alors que vous souhaitiez de l'aide. Donc, vous étiez peut-être un peu en mode victime. Ça peut faire mal aussi si l'autre se détourne de vous, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous l'avez persécuté. Et vous pouvez avoir mal aussi de voir que votre rôle de sauveur que vous chérissiez tant depuis l'enfance parce qu'il vous avait permis d'avoir une place de choix dans votre famille, une place qui flatte l'ego. Hein. C'est vrai que l'aspect sauveur a un côté très narcissique. Donc, en fait, ça fait mal de devoir déconstruire ça parce qu'on a fait fuir l'autre. Mais en même temps, l'autre vous aide en fuyant. Il vous montre que vous n'étiez pas aligné. Tout à fait. Non, mais... C'est tout à fait ça. Alors, une autre... Je crois qu'il y a deux autres questions. Là, on me demande... Donc, j'ai noté pourquoi l'autre ne s'éveille pas au lien. Alors, ça, c'est dans le cas des flammes jumelles, quoi. Jumelles, ouais. Pourquoi l'autre ne s'éveille pas au lien FJ. Oui, alors, celui-là, on nous le pose souvent. Et ça peut être effectivement, du point de vue du triangle, que vous voulez trop le réveiller. Donc vous êtes en mode sauveur. Vous voulez lui imposer votre connaissance de ce qu'est ce lien. Et lui, en fait, il a envie de s'en apercevoir de l'intérieur, quoi, de le ressentir avant qu'on lui pose des mots dessus. Oui, il faut proposer en fait, une liaison, mais sans imposer quoi que ce soit. Quoi. Après, si ça doit être un couple de flammes jumelles ou un couple, voilà, ça se fera naturellement. Mais si on commence à dire oui, tu es ma flamme jumelle, bon, ça peut faire peur, quoi. Donc, Tout à fait. Moi, personnellement, on n'a pas eu ce problème parce qu'aucun des deux ne l'a imposé à l'autre. On s'en est aperçu plus ou moins, même si moi j'avais des doutes avant lui, mais finalement, en lisant ce qui s'écrivait sur le sujet, on a vite compris aussi, hein, même si de notre temps, on va dire, en 2014, il n'y avait pas encore beaucoup d'écrits sur le sujet, mais il y en avait suffisamment, notamment le livre de Tom Kenyon, là, qui s'appelle Le manuscrit de Marie-Madeleine, traite vraiment de ce lien-là. Donc voilà, on avait des outils pour voir dans quoi on était. C'était pratiquement le seul livre à l'époque qui n'avait pas beaucoup, peut-être un autre, mais...
C'était très rare. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Voilà, mais il y en avait. Et puis, bon, bah, quand on identifie qu'on est dans le même lien, bon, ça saute aux yeux des deux. Il suffit de lui offrir le livre. Hein. C'est pas la peine de lui, voilà, de lui crier dans le téléphone qu'il n'est pas éveillé au lien ou qu'il est nul en spiritualité. Voilà, ça peut être très, très néfaste. D'ailleurs, je trouve qu'il y a peut-être même trop d'infos sur les flammes jumelles actuellement. Et c'est contre-productif parce qu'il y a des gens à qui ça fait plus peur qu'autre chose. Oui, surtout qu'on n'arrive pas vraiment à définir ce que ça peut être. Et quand on voit beaucoup, beaucoup qui rament, on va dire, dans ce qu'ils pensent être un couple de flammes jumelles, donc forcément, ça peut faire fuir. Voilà, donc bah, effectivement, quand l'autre n'est pas éveillé au lien, déjà travailler sur le triangle aussi, pour voir si vous ne vous posez pas soit en sauveur, soit en victime, ou même en persécuteur, pour ceux qui insistent alors que l'autre n'est pas prêt à s'éveiller, entre guillemets. Mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, en général, s'il y a vraiment un lien de flamme jumelle et que l'autre n'est pas éveillé, comme on dit, c'est que la personne qui est soi-disant éveillée n'a pas suffisamment travaillé au niveau du cœur. Elle est peut-être ouverte spirituellement, mais elle n'est pas ouverte au niveau du cœur et des émotions. Ça, on l'a souvent vu dans les couples de flammes jumelles. Oui, et je dirais même que celle qui impose à l'autre que c'est son âme jumelle n'est peut-être pas elle-même véritablement ouverte, véritablement ouverte au cœur. Donc c'est ce qui peut faire fuir aussi également, parce que c'est peut-être des fois peut-être trop mental, et il faut y mettre du cœur aussi, quoi. C'est le principal, hein. C'est d'abord une relation, c'est pas un outil de développement personnel, même si ça l'est, mais d'abord c'est une relation, l'autre il a besoin d'amour. Si ça s'avère être vraiment une réunion d'âme jumelle, de toute façon ça se fera naturellement, donc il faut déjà accepter d'être en couple et d'être amoureux, quoi. Voilà, donc... Pour résumer, faites l'amour, pas la guerre. C'est pas la peine de se prendre la tête avec le type de la relation. On s'en fiche complètement. De toute façon, si vous êtes ensemble, vous allez aller au bout du chemin. Peu importe si vous mettez le mot dessus ou pas, quoi. Voilà. Donc d'abord le triangle, ensuite on verra si c'est flamme jumelle ou pas. Mais le triangle, il va répondre à beaucoup de questionnements de toute façon. Voilà, donc on a fini pour les questions. On va vous souhaiter une excellente fin de semaine, si c'est la fin de la semaine, parce que nous, on enregistre les vidéos, mais on les lance pas forcément le jour même. Donc on vous souhaite une excellente fin de semaine ou un excellent week-end, peu importe quand on va la diffuser. Et je laisse à Pascal le mot de la fin, mais je vous fais une grosse bise à tous. Et ben, en fait, je voulais juste dire merci. Merci de nous avoir écoutés. Et puis... voilà, bah je vous souhaite à tous de retrouver ce feu sacré qui vous permettra de bousculer tous les obstacles qui se présenteront à vous. Eh bien, au revoir à tous. Au revoir.